Hello, aujourd'hui on va voir être choisi de Dieu. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne méprisez et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte et s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, on va voir que le fait d'être choisi de Dieu crée forcément dans notre entourage ou partout où on part différentes réactions. 2 Corinthiens 2, verset 15. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, et pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Ça veut dire que le texte dit, mais pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Pourquoi y a-t-il des situations qui se mettent contre nous, qui s'engendrent, qui se multiplient contre nous dans notre être, dans notre personnalité, dans ce qu'on veut faire? Pourquoi y a toutes sortes d'agitations dans notre vie en tant que ceux qui ont été choisis par Dieu? Mais la raison, elle est simple, c'est que le fait d'être choisi par Dieu, premièrement, le premier élément que je vais te laisser, c'est que ça crée des conflits. Le deuxième élément, c'est que nous avons été choisis par Dieu, nous avons été choisis par Dieu pour un but bien premier, c'est de nous donner l'identité de fils. Il dit, celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi de Sion, ma montagne sainte. Je peux leur dire, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Jean 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous sommes choisis par Dieu, Dieu nous donne le privilège premièrement d'être fils de Dieu. Cette identité-là nous ouvre des portes énormes. C'est-à-dire que cette identité-là crée dans l'environnement qui nous entoure une différence, une réelle différence. Les privilèges, et au troisième point que je vais te laisser, c'est que en tant que fils de Dieu, nous avons des privilèges énormes, énormes. La suite, il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Ça veut dire que même dans un environnement hostile, le fait d'être fils de Dieu, Dieu nous donne un privilège de demander en disant, Seigneur, tu vois les circonstances, tu vois le monde qui m'entoure, tu vois le monde de mort qui m'entoure. Je te demande, Seigneur, je te demande parce que je suis ton fils, parce que tu me le permets de te le demander. Je te demande, Père, de changer les circonstances. Je te demande de changer le mal en bien. Je te demande de changer là où il y a des situations de détresse. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je suis ton fils et je te le demande. La suite, elle est énorme. Il dit, et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juste de la terre, recevez l'instruction. Le fait d'être fils de Dieu nous donne le privilège de prier pour toute autorité sur la terre. Le fait d'être fils de Dieu nous donne le privilège d'emmener le royaume des cieux sur la terre. Sois encouragé dans ta foi et dis-toi que le fait d'être fils de Dieu te donne la joie premièrement. Il dit à la fin, il dit, heureux tous ceux qui se confient en lui. Le fait de se confier dans cette identité de fils de Dieu, nous trouvons les pas, les clés, ce dont Dieu nous demande à faire dans ce monde, à toucher, à impacter le monde qui nous entoure. Ciao. Sois encouragé dans ta foi.